Salut à tous, bienvenue sur Cars Effect. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter ma Super 5 qui est derrière. Véhicule que j'ai récupéré, que j'ai refait niveau mécanique. Et voilà, j'ai un peu customisé avec certaines petites choses. Je vous montre ça de suite. Donc voici l'extérieur. Alors ce que j'ai fait, j'ai rajouté les anti-brouillard ronds devant pour donner un petit look style alpine et véhicule de rallye. Je trouve que ça sort bien dessus. J'ai également repeint les jantes en tôle couleur or, voilà, avec de la bombe spéciale jante. Alors j'ai rajouté les petits liserés rouges autour. Repeint les pare-chocs également. J'avais fait un petit tuto justement où j'avais repeint les jantes et que j'avais montré aussi pour rafraîchir aussi tout ce qui était pare-chocs ici et montant ici. Donc j'avais repeint ça à la bombe, noir brillant. Donc voilà pour l'aspect extérieur. Je vais vous montrer maintenant l'intérieur. Assez classique. Avec ce volant à l'ancienne. Le tableau de bord ici. Donc il n'y a pas de compte tour, uniquement le compteur de vitesse. Les boutons de commande ici. Ça fait du bruit. Donc les sièges d'origine avec ces petites lignes là vertes et rouges. Assez propre dans l'ensemble. Voici notre moteur. Donc Renault classique. En fait, c'est le même moteur que les 4L. Hein. Distrait à chaîne, increvable. La boîte à vitesse, on a vraiment accès à tout. Et notre filtre à air en haut, ici au-dessus. Voilà, donc mécanique très simple, filtre à essence. Franchement, la vidange, elle m'a pris 20 minutes, même pas, pour changer tous les filtres. Voilà pour notre moteur de la Super 5. Donc c'est parti pour l'essai de la Super 5. Ça a son petit délire au niveau de la conduite, c'est pas une conduite sportive, mais le fait de conduire des voitures anciennes, ça a son charme. On reconnaît bien là le bruit des moteurs Renault. Et franchement, elle roule hyper bien, elle est hyper saine. Et bon, la mécanique dessus, c'est assez simple, tout est accessible. Et au niveau des sièges, c'est hyper confortable. On s'enfonce dedans, c'est moelleux. Franchement, c'est une bonne petite voiture. Bon, du coup, c'est pas la direction assistée, c'est la direction insistée. Mais en surgonflant un peu les pneus, quand on roule, après, on le sent plus. C'est un peu comme une Twingo de 96. C'est à peu près la même mécanique. Donc voilà pour ce petit essai. C'est bon ? Ça filme là ? Ouais. Donc là pour les petites balades, franchement c'est le top. Petite balade en campagne dans notre petite Super 5. Franchement, à conduire, j'aime bien. C'est un bon délire. Je vous fais vivre mon expérience en direct. C'est de la 4D. En direct d'une Super 5. Attention, ça va vite. Comme si vous y étiez. Ça pousse encore plus. Que la Lamborghini Huracan que j'ai testé à Nogaro. Attention, accélération. Oh là 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 là. Je vous dis les amis, là on était à au dessus des 180. Pas du tout. Hein, Fidou? Pas du tout. On est à combien? Je sais pas, mais pas...
Mais si, regardez, attention, hop, 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 ça pousse, ça pousse, ça pousse, et hop là, on est redescendu. Donc voilà pour la vidéo de cette Super 5. Vous pouvez dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser vos commentaires. Je vous dis à bientôt sur Cars Effect. Salut.